Charles Aznavour, des obsèques à Montfort-l'Amaury sous haute surveillance. Il n'habitait plus les environs depuis le début des années 70, mais sa silhouette continuait d'apparaître dans les allées du cimetière de Montfort-l'Amaury, au fond duquel se dresse le caveau de la famille Aznavourian. Ce samedi midi 6 octobre, au lendemain d'avoir été célébré aux Invalides en présence des époux Macron et d'autres personnalités, et, dans la foulée d'une messe donnée à 10h en la cathédrale arménienne du 8e arrondissement de Paris, Charles Aznavour, mort en début de semaine, rejoindra là-bas, dans ce cimetière, ses parents et son fils Patrick, décédé à l'âge de 25 ans, pour l'éternité. Dès ce mercredi 3 octobre, alors que ses habitants manifestaient déjà leur émotion, la municipalité de Montfort-l'Amaury anticipait les instructions de la veuve et des enfants du chanteur en étudiant l'organisation d'une prochaine inhumation dans le caveau de la famille Aznavourian. Un arrêté municipal a également été pris pour réglementer le stationnement et la circulation des véhicules dans le centre-ville. Patron des gendarmes des Yvelines, le colonel Loïc Barra a prévu un déploiement d'effectifs sur place pour que la mesure soit respectée. L'objectif, limiter l'accès à la discrète famille du défunt, ses proches collaborateurs et quelques officiels. Le grand Charles avait lui-même confié combien il avait été choqué par l'effervescence lors de l'hommage national organisé pour Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine, le 9 décembre 2017.